De quoi se douter de la mondialisation, qui par la forme paraît plus qu'intéressant, mais dans le fond plus qu'inquiétant, au vu de certaines pratiques du déjà vu qui ont plombé le système. La mondialisation n'est autre qu'un métissage de cultures dont l'économie en est le leitmotiv. Pour avoir été reprise en main par ceux-là même qui l'ont planté. Et par un constat d'échec, n'ont pas eu d'autre recours que de lancer ce concept à moindre coût par son caractère euphorisant dont on nous a laissé croire qu'on voudrait là en redéfinir les règles de base. Dans un monde qui se fait écho par le goût du partage. Partage culturel, philosophique, religieuse, voire scientifique. Ce par quoi nous voyons beaucoup plus loin aujourd'hui que par le passé. Par ce peu qui autrefois nous divisait pour si peu, dont le seul objectif était de nous limiter, nous priver de nos ambitions par la peur de l'autre, voire d'un système oppressant tant que nous ne voyons pas les choses dans la même direction. Cela se passe ici et ailleurs, dans des états de non-droit et par ironie du sort, dans certains de droit, dont la colonne vertébrale en est encore le maillon faible. J'entends par là la démocratie. Et on voit un peu ce qui se passe ailleurs. Ce constat d'échec, des stratégies passées, des idéologies alambiquées qui ont tant alimenté des politiques de par le monde et par quoi certains s'entêtent encore à ce jour, s'entêtent, mais jusqu'au boutiste. Par ce constat de chèque, faut-il encore que nous jouissions de toutes nos facultés en tant que citoyens de ce monde dont on parle, jouissons pleinement de nos pleins droits? Reconnaissez que la question se pose. Il ne faut pas que, par l'économie, que certaines grandes puissances deviennent si économes à l'image d'un entremetteur emmerdeur, au point même d'économiser les droits fondamentaux de certains peuples. Sport en quoi excellent souvent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui me fait penser à ce que disait Fontenelle sur la théorie. Qu'elle est comme une souris, elle passe par un trou, fuit par un autre, mais se trouve bientôt à un trou trop étroit où elle est prise. Tel est ce que je pense à ces jours de la mondialisation. On ne reforme pas les institutions avec toujours les mêmes. Ça serait simplement faire là un simple jeu de chaise musicale. Il y a de quoi se demander pourquoi la mondialisation peine-t-elle à se faire entendre selon les règles de l'art? Oui, je dis bien selon les règles de l'art. J'ai ma petite idée là-dessus. On n'aime pas tant perdre ces privilèges auxquels on y tient mordicus. Pour avoir su mettre la bêtise au devant de l'homme, plombant là l'intérêt général. Simplement en semant le doute dans la tête de ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et les grandes puissances sont passées maîtres là-dessus et ne s'en privent tant qu'elles peuvent en mettre une couche, en reprendre la main
par ce double jeu à double langage, par quoi elle continue à tirer les ficelles, à corrompre certaines grandes institutions en étouffant dans l'œuf cet élan de bonnes intentions par la renaissance d'une nouvelle conscience dont les Nations Unies auraient pu en être aussi l'une de principales heureuses bénéficiaires. Ce concept me laisse à ce jour dubitatif au vu des pratiques qui semblent renaître de leurs cendres. Voilà mon plaidoyer sur cette occasion mal engagée. C'est toujours au théâtre que chacun est responsable de ses actes, disait Jean Renard. Rien que toi pour une vie, rien que toi pour me comprendre, rien que toi pour une vie, rien que pour toi. Tu me disais ce peu que tu savais.